merci d'être ici à ce premier ciné-club OCQ du film sur l'art de l'année. Donc, ciné-club COVID, rien de moins. On fait sans Zoom. En fait, j'en suis pas à mon premier, j'en suis à mon quatrième. L'année passée, juste avant l'épidémie, on avait eu la chance de faire trois ciné-clubs déjà à l'université, présenter quelques films avec toutes sortes avec des gens de l'université, mais des gens aussi externes à l'université, ce qui avait vraiment amené une discussion bien, qui avait ouvert en fait la discussion. Pourquoi Ciné-Club du film sur l'art? J'en suis l'instigatrice. En fait, c'est un peu pour servir mes recherches, parce que je fais un doctorat sur le film sur l'art, et je vois plein de films sur l'art, donc j'avais envie de partager ça avec vous. Partager ça avec des gens du cinéma, avec des gens aussi de l'histoire de l'art, et j'espérais avoir des gens des deux, puis cette fois-ci, je vois que j'ai des gens de l'histoire de l'art, j'en suis ravie. Donc, avoir vos avis à tous les deux, nourrir une discussion qui peut être productive, parce que qu'est-ce que le film sur l'art, c'est souvent mis de côté, par les historiens de l'art surtout, puis peu observé. C'est pas un objet qui est vraiment qui est étudié du tout. Et pourtant, il révèle beaucoup. Il révèle sur une époque, il révèle sur l'art qu'on regarde. Mais jusqu'à quel point? Donc, c'est un peu la question en fait qu'on va commencer avec cette question-là cette fois-ci sur en fait le prochain ciné-club, on va regarder. Qu'est-ce qu'un film sur l'art? Grande question. En fait, je pense que je pose tout le temps la même question, qu'est-ce que le film sur l'art? Mais cette fois-ci, on le sait, essentiellement, le film sur l'art, c'est quelque chose qui est de l'ordre du pédagogique, mais aussi de l'ordre de l'interprétation, de la créativité, de l'essai créatif. Donc, où est-ce qu'on va se trouver dans tout ça? Donc, je suis déjà en train de commencer l'exposé, puis c'est pas ça que je voulais faire. Je vais vous parler un peu de cuisine avant. On aura donc trois rencontres, une aujourd'hui, une le 16 mars et une le 13 avril. C'est des rencontres que j'aimerais avoir sur le mode de la discussion. Donc, une rencontre qui aura lieu, qui devrait durer entre 1 heure et 75 minutes, surtout en mode Zoom, on ne veut pas que ça dure trop longtemps. Ce que je propose, c'est que si vous avez des questions, il y a Gaëlle qui est là, qui est mon assistante, qui est là pour prendre vos questions sur le chat pendant la discussion qui va avoir lieu après les visionnements. C'est un peu comme ça, mais vous pouvez toujours vous sentir à l'aise de m'interrompre. Et puis, qu'est-ce que je dois vous dire aussi que c'est enregistré et que c'est diffusé sur le canal YouTube de l'OCQ. Et ça va être enregistré et gardé. C'est quand même pas mal, hein? Merci, Emmanuel. En fait, ce que je voulais vous dire, c'est, je voulais parler, en fait, entre didactisme et interprétation, c'était ça la question, où situer le film sur l'art. Aujourd'hui, on va voir qu'il y a à peu près, on va voir au moins deux moyens de lecture d'une œuvre d'art, c'est soit par le commentaire, puis il y a un film, le dernier film que je vais vous montrer, qui est le film de Jean Eustache, qui va vraiment du côté de la grande, la totale subjectivité. Puis, est-ce que en fait, quand on est totalement subjectif, est-ce qu'on apporte justement un propos pertinent? Est-ce qu'on arrive à lire autrement, mieux, moins bien, l'œuvre d'art dont il est question? Et aussi par une mise en mouvement de l'image grâce à la caméra aussi. Parce que la caméra, vous le savez, dans le film, elle regarde, elle fait un zoom-in, elle fait des travelling. Puis aussi, là, avec l'arrivée du numérique, on s'en va en animation, on fait des effets spéciaux. Et puis là, on va aller de l'autre côté, grâce aux effets spéciaux. On va commencer avec un film en réalité virtuelle, un court film. Donc, puis j'ai choisi, en fait, sans le savoir au début, mais je trouve ça amusant parce qu'on parle du mouvement de l'image grâce, en fait, la mise en mouvement de l'œuvre d'art dans le film sur l'art. Mais j'ai choisi une époque en particulier, les peintres flamands, Bruegel et Bosch. Et vous imaginez, quand je vous parle de Bruegel et de Bosch, vous voyez tous ces petits personnages absurdes, étranges, étrangers à ce qu'on connaît,
Puis vous les voyez bouger dans votre tête, j'en suis certaine. En tout cas, moi, j'ai peut-être ce fantasme un peu trop ludique, mais je les vois bouger. Et donc, on est rendu actuellement à un moment où, grâce au numérique, on arrive à les faire bouger. C'est passionnant. Alors, voilà, on va voir si quand on fait, quand c'est trop... En fait, on va commencer tout de suite. Allons-y avec Bruegel. Je vais vous le présenter. En fait, c'est un film de 3 minutes et demie à peu près. The Fall of the Rebel Angels. C'est une coproduction entre le Google Art Institute et le Musée Royal des Beaux-Arts de Belgique. En fait, quand vous irez dessus, vous verrez que c'est en 360, un pseudo 360 parce que là, c'est sur YouTube. Vous pouvez bouger dedans, bouger dans l'image. Allez-y, on verra ce que ça donne. Et puis... on y reviendra. Fall of the Rebel Angels, painted in 1562 by Peter Bruegel the Elder, is held at the Royal Museums of Fine Arts of Belgium. This piece highlights the first confrontation between good and evil, when Lucifer is expelled from paradise. The painting depicts the precise moment when the Archangel Michael condemns Lucifer to the dark depths, following his rebellion against the divine illumination. When he falls, Lucifer brings with him other rebel angels, which have been transformed into demons. At the center of this dramatic and tumultuous composition is Archangel Michael with his wings spread, wearing a shiny gold armor. His right foot rests on the stomach of the seven-headed dragon described in Apocalypse. This monster's presence shows Bruegel's originality as he brings together two biblical stories, one from the beginning of time and the other from the end. Brandishing his sword above his head, the archangel slays the apocalyptic dragon before hurling him and the fallen angels to the depths of hell. Behind them, an infernal spiral of demonic creatures pours down the painting. Some of these hybrid monsters seem to be inspired by the painter Hieronymus Bosch and his famous sense of humor. In particular, in the bottom left-hand corner where a devil, half-human, half-lizard, is biting his calf and showing his rear end to the viewer, farting in a blatant sign of contempt. Bruegel's inspiration for these demons comes from cabinets of curiosities and discoveries from the New World, which abound his composition. Thus, the wings of the demon in the foreground are those of a Macaon butterfly, a species which lives on the European and American continents. Bruegel also uses elements from the underwater world, such as crustaceans, mollusks, and fish, like the blowfish. An exotic specimen from the Pacific and Indian Oceans, the blowfish is recognizable by its prominent teeth and above all by the fact it fills its abdomen with water when threatened. Set against a celestial light blue background, the faithful angels appear robed in white. They are armed with swords, or divine trumpets, whose music aims to encourage the fighters. Far away, some angels are already proclaiming victory. Bruegel the Elder's captivating masterpiece, The Fall of the Rebel Angels, can be admired at the Royal Museums of Fine Arts of Belgium in the room dedicated to the Flemish painter Puis en fait, je ne sais pas, j'aimerais bien avoir votre avis rapidement sur ça, parce que, à mon avis,
c'est plus ludique qu'autre chose. Donc, c'est quelque part un propos extrêmement didactique, extrêmement pédagogique, qui a été écrit par des historiens de l'art, mais on parle d'un jouet plus qu'autre chose. Qu'est-ce que ça nous apprend? Pas grand-chose. Donc, on y reviendra peut-être plus tard. Je voulais donc faire une espèce de progression puis vous montrer la bande-annonce d'un film que je vous montre, qui est un peu trop long à présenter ici, mais qui, à mon avis, a été produit, est un film institutionnel produit par France Télévisions avec Lina, un film de 2016 aussi, réalisé par deux réalisatrices, une spécialiste en effets spéciaux et en animation, l'autre une réalisatrice donc amoureuse des arts, des arts, et puis qui a été produit pour les 500 ans de la mort de Bosch. Donc ça arrive souvent pour un anniversaire, soit de naissance, soit de mort. Bon, allez, la télévision met un budget et puis on y va pour un film sur le sujet. Et puis ici, en fait, les réalisatrices s'en sont données à cœur joie en animant justement de nouveau dans le même genre, mais peut-être pas dans le même genre. Puis c'est ce que je voulais vous montrer. C'est-à-dire que ça reste un propos didactique, qui reste un propos qui est soutenu par une lecture d'histoire de l'art, mais où justement le traitement de l'image amène plus loin, fait une démonstration. Alors, j'en dirai pas plus. Et puis, ça dure 2 minutes. C'est vraiment la bande-annonce, mais je crois vraiment qu'elle vient vraiment nous faire une évolution. Cette descente dans les bas-fonds, dans le chaos de l'enfer, a contribué à son surnom de faiseur de diables. Mais n'est-il vraiment que cela? Bosch aime les jeux de regard. Ils sont tantôt très visibles et tantôt savamment dissimulés. On remarque un étrange profil qui se dessine dans la roche. Les contours montrent clairement un nez et un serpent est représenté de façon à faire apparaître des lèvres charnues. Les formes sombres d'autres animaux bizarres lui donnent vie. D'un point de vue du rêve, ce n'est pas juste un visage, c'est celui d'un dormeur. Regardez l'animal étrange qui représente son œil. Le personnage fait face à une fontaine. Pas une fontaine de vie telle qu'on peut en voir dans les représentations de la création à la fin du Moyen Âge, mais peut-être une fontaine de mort déguisée. Le hibou noir qui trône au centre était un symbole bien connu du diable. Le jardin des délices ne porte-t-il pas encore quelques secrets ? En haut du panneau central, une forme humaine faite d'eau, allongée dans le grand paysage, nous rappelle l'homme de Vitruve de Léonard de Vinci, l'homme de la Renaissance. Tout comme lui, Bosch a su rendre compte à chaque instant des bouleversements de son époque, la violence, les découvertes, les réflexions sur la foi.
Car l'être humain n'est-il pas resté le même? N'est-il pas porté par les mêmes passions? Ne brûle-t-il pas de désirs? Ne cherche-t-il pas une justice plus grande et plus vraie que celle des hommes? Ose-t-il s'élever contre les injustices et les abandons? Et le diable Bosch n'a-t-il pas des ailes d'ange? Bon, alors là, on a monté d'une coche, manifestement. J'aimerais peut-être rapidement avoir un peu vos avis et vos avis sur cette bande-annonce, évidemment, qui ne donne pas grand-chose, mais comparé à ce qu'on vient de voir avec le VR, avec l'animation en VR, on a, je crois, une grande qualité graphique, définitivement, une dramatisation esthétique, une interprétation poétique aussi, puis une démonstration qui se fait justement avec un travail graphique. Puis en tant qu'historien de l'art, je sais que j'ai la chance d'avoir quelques historiens de l'art aujourd'hui. J'aimerais avoir votre avis. Est-ce que vous avez l'impression que c'est un film qui pousse plus loin la pensée, qui peut permettre d'amener la pensée vers une autre interprétation de l'œuvre de Bosch? Ou c'est peut-être pas la bonne question que je pose. Ben, je peux te dire quelque chose. Moi, je trouve, je suis peut-être un peu puriste et conservateur, mais je trouve que cette idée d'animer des peintures anciennes me semble un peu saugrenue, dans le sens où tout l'enjeu, toute la magie de la peinture était justement de créer du mouvement sans avoir la possibilité de le créer de cette manière technique-là. Et je ne vois pas du tout ce que ça ajoute. Après, il y a d'autres choses. Bon, là, on n'a vu que 2 minutes, donc c'est un peu difficile à dire, mais il me semble qu'il y a des détails qui peuvent être soulignés ou agrandis ou renversés pour montrer des choses. Pourquoi pas? Mais cette idée de prendre, surtout dans le premier film, effectivement, qui était un peu plus réduit comme initiative, mais bon, le deuxième, c'est difficile à dire parce que je ne l'ai pas vu, mais cette idée de juste faire bouger les créatures qui ne bougent pas dans la peinture, je ne vois pas du tout à quoi comment ça ajoute à la compréhension du tableau. Au contraire, ça, aux spectateurs soi-disant naïfs d'aujourd'hui, ça donne l'impression qu'en fait, la peinture a quelque chose d'effectueux qu'il faut combler, alors que ce n'est pas le cas. Justement, le défi était d'autant plus grand que la technique était plus rudimentaire. Mais je vois peut-être les choses à travers les yeux d'un spécialiste de cette période, et donc je peux me tromper aussi. Oui, mais en même temps, ce serait quoi la différence entre faire un travelling? Bon, mettons qu'on utilise la caméra comme moyen d'observation d'une peinture, okay, d'une œuvre. Alors, quelle est la différence entre faire un travelling sur une œuvre, d'arriver, de faire un gros plan et faire bouger? Toute la différence du monde, parce que quand on fait un gros plan, on imite soi-disant le mouvement des yeux devant la peinture. Donc, en fait, on rend la peinture juste accessible aux personnes qui ne peuvent pas être devant elle parce qu'ils habitent loin, parce qu'ils n'ont pas, je ne sais pas, pour toutes sortes de raisons. Mais en gros, on ne change rien dans la dynamique de la peinture elle-même. En fait, la caméra joue le rôle du regard du spectateur, mais la peinture reste ce qu'elle est. Alors que quand on fait bouger les choses dans la peinture, c'est complètement autre chose, je pense. Oui, ça relève plus du jeu. Oui, non, mais tout à fait. C'était très bien dit, c'est ludique, c'est effectivement assez amusant. Mais assez vite, on s'en lasse, je pense. Oui, peut-être. Ça me fait penser, je ne sais pas si vous connaissez la série Palette, où justement, ils s'amusent à faire des traitements graphiques comme ça. Donc, ils décomposent. Bon, à la fin de la bande-annonce, on voit le découpage de ce visage avec bon, les petites créatures qui mordent, mais quand même, ils veulent faire un point, c'est-à-dire qu'ils enlèvent tout. Ils enlèvent tout ce qui empêche le regard de comprendre un point en particulier. Donc, l'animation n'est pas absolument nécessaire, mais le travail graphique peut permettre effectivement d'observer un point et de discuter d'un aspect en particulier, peut-être. Oui, mais il y a d'autres manières de le faire. Quand on le fait
en classe. Ouais. Enfin, ouais. Mais j'aimerais bien entendre les autres parce que hein, j'ai déjà beaucoup parlé. Moi, j'ai un peu le même avis que toi, Itaï. En fait, Sarah Kenderdine, qui est une collègue active en Suisse, qui a un laboratoire qui travaille sur la réalité virtuelle et les œuvres d'art, a beaucoup utilisé de ce genre de choses. Et en général, ça m'excède à tout prix. Je vous mets le lien ici. Et notamment, elle a travaillé sur des grottes en Chine. Et là, c'est extrêmement manifeste parce qu'en fait, ce sont des fresques qui présentent un caractère extrêmement stylisé, sur lesquelles j'ai un exemple notamment en tête où on a des danseuses. Et la silhouette curviligne des danseuses exprime parfaitement la danse, le mouvement dans une image statique. Donc, toute la beauté de l'image, précisément, c'est de saisir ce mouvement dans l'image statique, et elle les anime. Et je trouve ça absurde, en fait. Il y a la même chose sur des rouleaux de peinture asiatique, où alors là, on a les mêmes enjeux hein, de restitution de l'œuvre qui est difficile à capter, à visualiser sur un écran fixe, donc où le parcours de la caméra, du plan, est un substitut utile pour présenter l'œuvre numérisée. Mais où j'ai l'impression qu'en fait le mouvement est complètement superflu ou redondant. Donc moi je suis très très dubitatif en fait sur ces réalisations là. Je suis un peu plus curieux en revanche de certaines expérimentations qui cherchent à plonger le spectateur dans l'environnement de l'image, parce que la présentation de Jérôme Bosch de 2016 découpe les plans en fait sur des profondeurs qui sont assez limitées et permet aux visiteurs d'avoir un sentiment d'immersion dans l'image. Mais je pense par exemple à des productions sur des œuvres de Dali sur Van Gogh en réalité virtuelle augmentée, qui là sont peut-être un peu plus intéressantes du point de vue des moyens plastiques. Mais je suis pas persuadé. Mais j'ai l'impression qu'on produit autre chose que les images. On produit autre chose qu'une lecture de la peinture. C'est un petit peu comme la polémique qu'il y a eu sur, je ne sais plus comment ça s'appelle, les cathédrales d'images. Ce n'est pas les cathédrales d'images parce que ça a été piraté par cette entreprise d'action culturelle française qui a organisé sur le port à Montréal des projections d'œuvres. Montréal en lumière. Montréal en lumière. Donc, en fait, ça, c'était un concept qui avait été développé, qui est très intéressant, hein, développé dans les années 50, de projections lumineuses de grande ampleur dans les cathédrales des Baux-de-Provence, par quelqu'un qui venait d'ailleurs des entreprises de médias. Et donc, c'était une réflexion qui s'incluait parfaitement, en fait, dans un imaginaire de la circulation des images, mais qui ne prétendait pas, en fait, qui utilisait des images d'art dans des grandes projections immersives, qui prétendait pas proposer l'expérience de l'art, mais une autre expérience de l'art, donc un autre produit. Et il y a eu un glissement après, quand ça a été pris par Culture Musée, ou je ne sais plus, c'est le nom de l'entreprise qui fait ça, qui l'a vanté comme un musée virtuel, une expérience muséale de grande ampleur. Là, il y a eu une grosse polémique chez les historiens de l'art qui me paraît assez justifiée. En fait, c'est un événement spectaculaire qui a un intérêt, mais qui propose une autre expérience probablement de la peinture, qui n'est pas, à mon avis, celle qui nous intéresse quand on regarde ces œuvres. Qu'est-ce que tu en penses, Suzanne, toi qui es beaucoup plus spécialiste de la circulation des images? Elle est dans le noir. Oui, mes excuses, je suis arrivée, enfin bref, j'ai eu le temps de rien faire, donc voilà. En fait, j'ai bien aimé le t'as dit défectueux, Itaï. J'aime beaucoup cette expression. Je pense qu'il faudrait réfléchir à ça. Et puis, en fait, tu parles du Van Gogh au machin, Emmanuel. Ah, c'est le Van Gogh dans les entrepôts là, de ces deux Montréal. Là. Ouais, c'est pas de ça dont tu parles. Il y a d'une part une expérience de réalité augmentée, je crois, d'un musée de la côte ouest américain à Los Angeles, qui est assez pauvre, à vrai dire, parce que les touches se baladent dans l'espace et puis, précisément, on n'a pas la matérialité picturale de l'œuvre. Puis après, il y a effectivement la projection d'images qui a eu lieu dans les entrepôts à Montréal, qui, à mon avis, produit tout à fait autre chose.
Je trouve ça détestable, ce genre de choses. Moi aussi. Mais complètement, là, c'est cette affaire de Van Gogh, j'ai trouvé ça mais détestable. Carrément, là, je sais pas. Puis, tu sais, je suis pas contre le Google Project, Art Project, tous ces trucs-là, parce que ça donne quand même une idée de l'expérience possible en très gros plan, mais ça, je vois pas. Cette espèce d'expérience immersive, ça fait mauvais son et lumière, là, pour emprunter une vieille expression de France. C'est comme, ouais. je vois pas à quoi ça sert, mais les gens adoraient ça. Puis, c'est évidemment, ça va dans cette idée de créer de la culture de masse autour de... de l'art moderne de plus en plus, mais je vois pas ce que ça peut apporter. En fait, pour moi, c'est une expérience complètement différente. En fait, c'est précisément autre chose, une expérience spectaculaire, comme. Ouais, mais c'est parce que la liberté avec son tipi. Ah ben oui, mais c'est à peu près pareil. Tipi à la liberté, là, je sais pas si tu as déjà vu des images ou si tu es déjà allé même. J'ai pas été, je te promets d'y aller à Paris. Le palais des miroirs ou le palais des illusions du musée Grévin. Ah oui, bien sûr, ça c'est très connu, oui. Et puis je te dirais que dans l'expérience immersive, pourquoi ne pas réouvrir le cyclorama de Jérusalem à Sainte-Anne-de-Beaupré? Ça, c'est de la belle expérience, avec de la vraie peinture. Ouais, on est un peu idiot avec ces choses-là. Ouais. Ouais, non, l'expérience immersive, on peut penser à Diderot qui imagine devant une peinture comment il se balade dedans. C'est déjà ça. Hein? Et il suffit de voir la peinture et d'imaginer plutôt que d'avoir tout visualisé, concrétisé. Ce qui rend évidemment effectivement très spectaculaire tout, mais quand on s'habitue à des choses trop spectaculaires, après on n'apprécie plus les choses moins spectaculaires. C'est ça le risque aussi. Je vais intervenir très rapidement, mais après, là, on va se lancer dans notre dernier film qui est un peu plus long, puis que je pense que ça va provoquer beaucoup de discussions. Mais je vous trouve un peu nostalgique, vous, qui êtes nostalgique du cyclorama et puis des projections pseudo-immersives. Alors qu'il y a quand même ce film-là, cet extrait, cette bande-annonce que je vous ai présentée. C'est quand même une interprétation de. Ça se veut pas. C'est de la créativité à partir de. Alors on peut pas nier ça. Maintenant, la question que je vous ai posée, à laquelle vous avez très bien répondu, c'est que ça donne rien. En fait, ça ne nous apprend rien à nous historiens de l'art. Mais ça apprend sans doute beaucoup de choses aux gens de France Télévisions qui ont regardé ce film-là avec beaucoup de plaisir. Donc, c'est peut-être... Mais voilà. Alors, c'est juste dommage que ça apporte pas quelque chose à la lecture. Puis, il y a des expériences immersives dont certains ont parlé. Puis, Montréal en lumière, par exemple, je trouve que réussit un peu ça en mettant en lumière le patrimoine à travers les projections. Puis ça, je trouve que là, ça fait que tu vois les édifices... le patrimoine bâti sous un nouveau jour, ça apporte quelque chose. D'autres types de projections comme celle qu'il y avait eu la Basilique Notre-Dame, je trouvais apporter absolument rien à la lecture des décors. C'est comme si on faisait fi complètement du patrimoine qui est là. Donc, c'est juste ça. Et je pense que ça peut être fait de manière... Mais celui qu'on a vu est peut-être pas très réussi. OK. Ben, merci. Merci, Fanny. Désolée de t'interrompre. Pour rebondir en fait sur toutes les interventions qu'il y a eu, il y a une dame, Louise Vigneault, qui a posé une question dans le chat. Prof. Qui demandait « Est-ce que le médium cinématographique permet de montrer, dire, révéler des dimensions que le médium pictural ne peut pas faire ?» Je l'espérerais. C'est un peu la question. C'est en fait la question fondamentale du film sur l'art. Puis... à laquelle j'essaie de répondre et que j'essaie d'utiliser un peu au cerveau. Je ne sais pas, Louise. J'y travaille.
Mais c'est clair à mon sens que c'est pas le mouvement qui apporte quelque chose pour moi, mais c'est de le fait de pouvoir approcher la caméra puis aller dans les détails puis essayer de comprendre la gestuelle et le médium utilisé apporte quelque chose que les gens n'ont pas accès. Je veux dire, dans les musées, c'est difficile d'avoir accès aux œuvres, de pouvoir apporter ces œuvres-là aux gens et que les gens puissent les observer en détail avec la vision d'un historien, justement, qui peut apporter quelque chose de nouveau. Pour moi, c'est génial. Puis, mais là, on est allé dans les mouvements. Les mouvements, ça m'a rappelé un peu une œuvre qui est un mélange de fixité et de mouvement exact, qui est faite par Michel Lemieux, qui est artiste de l'écran d'épingle à l'ONF. Et elle, ce sont des œuvres figées. Nécessairement, elle fait des dessins par un écran d'épingle. Mais ensuite, elle fait de l'animation également. Mais à travers ses œuvres, elle prend les fixités et se met à faire bouger la caméra. La caméra et bouger également l'écran d'épingle. Et on comprend toute une nouvelle œuvre. Et ça, je trouve ça super intéressant aussi. C'est quelque chose que je ne pourrais pas voir si c'était pas, l'artiste ne m'avait pas présenté cet aspect-là de la chose. Dans la série que tu nous avais projetée dans une séance précédente, Marie-Odile, je pense une série d'Arte, c'était un film sur... Ah, les aventuriers. Un film sur un artiste expressionniste. Oui. Et là, il y avait un usage de la 3D qui me paraissait beaucoup plus habile et élégant, en fait, parce qu'il était... je ne sais pas comment décrire comment ça fonctionnait, mais il n'était pas redondant avec ce qu'apportait réellement le tableau. Et du coup, il créait, en fait, un intermédiaire entre la narration qui était déployée par le documentaire et l'animation de l'image, venait pas remplacer effectivement une défectuosité de l'image qui ne serait pas mobile et qui n'aurait pas d'attrait. Il y avait une superposition d'archives, d'éléments du tableau, des tableaux, puis il y avait une narration qui était autant dans l'image que dans le commentaire. Et je trouvais ça beaucoup plus habile, en fait. Il faudrait qu'on mette le lien en collègue pour qu'il voit. Oui. C'était quoi la série? C'est Les Aventuriers, c'est ça? Il y a les aventuriers de l'art moderne. De cette série de discussion. Parce qu'on a communiqué par le Sécu l'année dernière, mais peut-être pas suffisamment largement. Et donc, c'est super que tu sois là. Bon, là, je vais mettre un terme à vos discussions. Parce que... Et puis, bon, alors là, je vous amène ailleurs. Je m'en vais. On va aller du côté du... on reste avec Jérôme Bosch. On va visiter vraiment le Jardin des délices. Et c'est un film, en fait, c'est 33 minutes. Jean Eustache, certains d'entre vous le connaissez sans doute. C'est un réalisateur français des années 70 qui a fait un film. C'est quoi? La mère et... C'est quoi? La maman et la poutine. Eh ben voilà, qui a été prix spécial du jury à Cannes. Et puis après, il s'est plus investi dans des courts films. Je ne dirais pas des courts-métrages, mais des courts films qui sont pour certains considérés comme des chefs-d'œuvre. Ben, en tout cas, comme des œuvres, oui. Et puis, Le Jardin des délices que vous allez voir, ça fait partie d'une série qui s'appelle Les Enthousiastes, qui est une commande, en fait, d'un producteur qui s'appelait Jean Frappa, qui était en fait un chercheur chez France Télévisions d'alors, le ORTF, qui est un chercheur pédagogue qui écrivait des séries, puis qui cherchait souvent à mettre en lien, bon, par exemple, à donner des cartes blanches sur certaines œuvres d'art à des artistes ou à des écrivains ou à des penseurs. Donc, Les Enthousiastes, c'est une série qui a été diffusée sur Antenne 2, aussi avec Lina. C'est essentiellement un tête-à-tête entre un amateur de peinture et une œuvre préférée. Ici, il s'agit de... Comment il s'appelle déjà? Jean-Noël Pic. Nous allons écouter Jean-Noël Pic, qui est un psychanalyste et aussi un acteur français. Alors, sans plus tarder... Tous les invités de cette série ont en commun une passion, la peinture. Bien que simples amateurs, ils ont accepté,
de venir nous parler du tableau dont ils sont particulièrement enthousiastes. Monsieur Jean-Noël Pic a choisi le Jardin des délices de Jérôme Bosch. Assis ici même, dans le même fauteuil, il y a quelques années, je m'en souviens bien. Il était d'ailleurs environ 2 heures du matin, comme aujourd'hui, exactement comme aujourd'hui. J'avais déjà eu cette reproduction entre les mains. C'est le troisième panneau du triptyque de Jérôme Bosch, le Jardin des délices. Et je me souviens bien également que je l'avais regardé un moment, et d'une manière peut-être un peu pédante d'ailleurs, je vous avais dit, si vous le permettez, je vais vous parler de ce que je vois là. Et je me souviens de ce détail que j'avais commencé par le bas du tableau, à droite. Et je vais vous redire maintenant, quelques années après, ce que je vois au bas du tableau à droite. Alors, il y a un cochon demi-habillé en religieuse, à moins que ce ne soit une religieuse demi-nue, plus ou moins transformée en cochon, qui de son groin tente d'embrasser dans l'oreille un homme nu. Et cet homme nu a un geste, tient la tête du cochon ou de la religieuse, cet homme nu a un geste dont on ne peut pas savoir si c'est pour l'attirer ou pour le repousser. Et une sorte de nain semi-humain, revêtu d'une armure, semble s'intéresser vivement à leurs ébats et vouloir y participer. Ce nain a une flèche sur la cuisse, et de son cimier pend un pied humain qui est attaché au cimier. Un peu plus haut, on peut voir un homme nu, renversé et dévoré par deux chiens revêtus d'armure, comme le nain, le dévore, l'égorge. L'homme, d'ailleurs, ne semble pas en souffrir autrement. S'il fallait définir son expression, ce n'est évidemment pas une expression de torturé. Elle n'est pas extatique non plus. Cet acte-là de dévoration se passe comme quelque chose de tout à fait normal et qui n'appelle aucun sentiment. Je trouve ce film absolument intriguant, surprenant. Je ne pense pas que c'est un film qui se ferait aujourd'hui. Je ne crois pas qu'on pourrait faire ça maintenant. C'est vraiment... puis ça prend en fait un esprit comme celui de Jean Eustache pour faire un tel film. Il y a eu, en fait, ils ont filmé, pour la petite histoire, ils ont filmé pendant 4 heures. Et comme la plupart d'entre nous, il y a peut-être de très jeunes gens ici. Et la chance... Ah, OK. C'était... Donc, ils ont filmé pendant 4 heures et puis c'est Eustache qui a fait un petit travail de broderie parce qu'on dirait vraiment que c'est un fil continu, un discours continu. C'était la version analogue de mes cours sur Zoom. Hein? La version analogue de mes cours sur Zoom, ça ressemble ouais. Beaucoup en fait. T'as quelqu'un qui te fait ton montage en arrière? Bah oui, plus ou moins. C'est ce qui m'a beaucoup frappé, c'est qu'en fait, c'est exactement comme une sale histoire. Oui. Où il y a Michael Lonsdale qui parle de ce trou dans les chiottes où, des obsédés viennent voir les femmes. Et puis, il y a un petit public dans un salon qui réagit éventuellement plus ou moins, qui pose des questions. On se demande si ce n'est pas le même salon, le même public. Mais cette fois-ci, on parle du tableau de Jérôme Bosch. Ben, peut-être expliquer rapidement c'est quoi une sale histoire. En fait, ce film, une sale histoire, Eustache l'a fait 2 ans, en 77, je pense, 2 ou 3 ans avant ce qu'on vient de voir. Encore avec Pic, qu'il a mis en scène, puis une seule histoire, c'est un pendant documentaire, puis un pendant fiction. Puis, en fait, ça a foutu le bordel, essentiellement, parce que Pic, il s'est senti complètement utilisé par Eustache, parce qu'à force de dire des choses grotesques, et le montage a fait de lui quelqu'un qui avait l'air d'un pervers, essentiellement. Donc, c'est ça, une seule histoire. Donc, je pense que Eustache s'est repris avec ce film sur Bosch. Je sais pas, Emmanuel, tu as fini?
Oui, c'était très bête, mais ça m'a sauté aux yeux, en fait. Oh, je ne m'attendais pas. Et... Moi, ce qui m'a frappé vraiment, c'est le fait qu'en fait, dans la situation qui est créée, sauf un moment où une des femmes se lève pour voir la reproduction, en fait, les trois personnes qui écoutent, ils ne voient rien. C'est vraiment juste un exercice d'ekphrasis où ils écoutent une description sans voir. Nous, on nous montre, justement avec le montage derrière, mais qui aurait pu presque... ça aurait été peut-être presque intéressant de ne pas la voir, même si ça m'a rappelé beaucoup de détails que je n'ai jamais remarqués, mais je trouvais ça intéressant d'imaginer que la situation, c'est qu'il raconte le tableau sans le montrer, en fait, à son public, à lui. Et donc, ça transfère tout le discours d'un discours visuel à un discours narratif, verbal, en fait. Et ça, c'est intéressant pour un médium comme un film qui est un médium visuel, justement. J'ai trouvé, en fait, sa description très méticuleuse, distanciée aussi du tableau, alors que ce qu'il dit, c'est difficile de distancier. Puis après, donc il y a une description, puis après une espèce de prescription. Tu as le psychanalyste qui dit « Ah ben c'est tous des malades mentaux ». On assiste à une espèce de schizophrénie totale. Donc, il y a ce dos, puis cette femme, effectivement, qui se lève au moment où on parle du sexe féminin. Donc, c'est évident qu'il y a une espèce de geste de séduction. Je ne sais pas si c'était prévu, je ne sais pas si c'est Eustache qui l'a monté pour qu'il y ait cette espèce de double trame aussi. Mais qu'est-ce que ça nous apprend? Je trouve ça intéressant, Itaï, que tu dises que tu as vu des détails par le commentaire que tu n'avais jamais remarqué. Ben, c'est juste que ce tableau est infini, en fait. Je l'ai vu plein de fois, à la fois en vrai et pas en vrai. Mais bon, il y a plein de choses que je n'ai pas eu le temps de... Pour tout voir, il faut vraiment la regarder pendant des heures et des heures, je pense. Mais bon, comme je n'ai jamais vraiment travaillé dessus au sens propre du terme, je n'ai jamais pris le temps de tout voir. Donc, il y a des détails qui m'ont surpris. Le cochon et la religieuse, sœur, ça je la connais, il y a d'autres que je connais, mais il y en a plein que je n'avais jamais vu ou que j'ai oublié. Ouais. Et ça, c'est vraiment, oui, c'est ce qu'un film, justement, pour continuer ce qu'on a dit avant, c'est ce qu'un film quand même peut faire et qui donne un petit plus à ce qu'on peut voir dans une visite rapide dans un musée, par exemple, même, et sans faire bouger la peinture non plus. C'est aussi plus que dans le livre, c'est-à-dire qu'on a le commentaire aussi, le commentaire montré. Donc, c'est pour vous, en fait, ma question, tu sais, c'est ma question tricky, en fait, est-ce qu'on est plus proche du film sur l'art que de nos expérimentations en effet visuel? C'est quelque chose qui vous nourrit plus que les extraits qu'on a vus en début de Ciné Club, finalement. En tout cas, moi, j'ai l'impression que c'est un film qui me nourrit plus. Ça faisait trois fois que je le voyais, puis bon, ça me donnait toujours un peu plus. Évidemment, il y a plusieurs niveaux de discussion, mais bon, ben écoutez, vous êtes tous subjugués par le contenu de ce film, mais... Ben, écoutez, je vais vous inviter en fait à me rejoindre dans un mois exactement. Dans un mois, on va regarder un film qui m'intrigue énormément, que j'essaie de dénouer, puis peut-être que vous allez pouvoir m'aider. Certains d'entre vous le connaissez sans doute, c'est une visite au Louvre du couple Daniel Huillet et Jean-Marie Strom, qui a été produit en 2003. Pour le Louvre et aussi pour la petite histoire, je vous prépare déjà, pour le Louvre et aussi pour Arte. Mais ça a été refusé parce qu'ils se sont dit, ben, c'est pas un film sur l'art. Alors, j'aimerais ça qu'on en discute parce que pour moi, c'est un film sur l'art. Mais bon, Arte a refusé de les financer, donc ils sont allés ailleurs, ils sont allés chez les Allemands qui les ont financés, qui ont financé énormément des films du couple Straub-Huillet. Mais donc, ça m'intéresse énormément parce qu'il y a vraiment un propos d'histoire de l'art, à mon avis, qui,
qui serait intéressant de discuter avec vous, d'explorer avec vous. C'est un film de 40 minutes. On ne regardera rien d'autre. Et puis, voilà. Ben, merci. C'est un plaisir de vous avoir vu vraiment pour cette première édition cet hiver. Édition COVID. C'est bon, ça. Merci. Alors, merci. Merci beaucoup, Marie-Odile. Merci à vous. Merci. À la prochaine. À bientôt.